Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, update, mise à jour d'analyse et de plateau pour le duo gratuit Helio et Palkia. Comme vous le savez, ce duo va recevoir une mise à jour de plateau avec la suite et fin du scénario Organisation Maléfique. Il va avoir un événement en parallèle de la suite du scénario qui arrivera ce jeudi 10 février, en même temps que la sortie du portail de Darkrai. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'apportent les nouvelles cases de plateau et on va voir vite fait ce qu'apportait Palkia, ce que faisait Palkia de base avant ce petit up. Donc, commençons tout de suite. Palkia, c'est un attaquant spécial qui d'ailleurs avait reçu son 6 étoiles X le mois dernier. Bon, ça après, le 6 étoiles X ne changeait pas grand chose, mais c'est quand même important de le notifier. Il était du type dragon. Au niveau des stats, c'était un peu compliqué les stats de Palkia parce qu'à l'époque où il était sorti, c'était une époque où on ne pouvait pas maxer les duos 20 sur 20. Alors bon, c'est une époque lointaine hein, parce que Mewtwo, Solgaleo, Rayquaza pouvait les maxer. Palkia, on pouvait pas les maxer. Bref, c'est un bordel. Mais aujourd'hui, de toute façon, tout ça c'est réglé. Donc, il avait au niveau de ses stats 334 en attaque spéciale. Alors, je crois que c'est des stats 20 sur 20, oui. Ce sont ses stats en 20 sur 20. Et il avait 246 en vitesse. Alors, la vitesse, très clairement, c'est médiocre, hein, parce que c'est en dessous de 300, c'est pas fou. Et au niveau de l'attaque spéciale, bon, 334, ça reste correct, sachant que le duo, quand même, est sorti en août 2020, de souvenir. Donc, ça remonte quand même à assez loin. Au niveau de ses attaques, on avait l'attaque Spatio Rift, 102 de puissance en 5 sur 5, 20 sur 20, bien évidemment, 95 de précision, qui a un taux de critique élevé. Taux de critique élevé, je le rappelle, c'est une attaque. Quand vous allez juste être boosté à plus 1 en crit, et bah vous avez 100% de chance de faire un critique. Donc, c'est utile. Ensuite, on avait l'attaque Vibraqua qui était pas super utile. On avait aussi son move dresseur qui boostait à plus 3 son attaque spéciale et sa vitesse. Mais en contrepartie, on perdait 25% de nos PV. C'est le genre de move qui sont chiants parce qu'on doit sacrifier des PV. Bon, après, vous le mettez à côté d'un petit Alakaza, mais ça, vous n'avez pas besoin de se faire le move dresseur. Et enfin, on avait l'attaque Hydrocanon, 150 de puissance, 80 de précision, et qui est aussi de type O. Donc Palkia était très bon sur le type O et sur le type Dragon Expansionniste, même si on préférait le jouer pour le type O avec Hydrocanon, parce qu'en type, type dragon, on avait quand même mieux que ce soit en personnage payant. Bon, bien évidemment, après, je parle avec son plateau avant qu'il ait sa modification. Au niveau de la capacité duo, on a Spatio Rift, taux de critique élevé. Donc, pareil, bah, vous vous boostez à plus 1 en crit, et bien, voire même peut-être plus 2, vu que c'est une capacité duo, et bien, vous faites un critique assuré. Au niveau de ses talents, alors certes, ses stats offensives ne sont pas folles, mais on avait en contrepartie le talent puissance critique 9, qui augmente de 90% la puissance de ses attaques s'il y a un coup critique. On peut le coupler au talent surprise puissance critique 2 pour avoir puissance critique 11, qui monte ses dégâts de 110% s'il y a un coup critique. Donc, sachant que son attaque spéciale est plutôt correcte de base, certes, Spatio Rift a des petits soucis, était pas super fort par rapport à Hydrocanon, mais voilà, Palkia, vous le jouez sur Hydrocanon, c'était très bon. On avait surtout un plateau orienté Hydrocanon, et là, ce qui manquait vraiment, c'était des petites cases sur Spatio Rift, parce qu'on avait à la place des petites cases Kappa Duo, mais Spatio Rift n'avait pas spécialement de boost, et on va voir ce qu'apporte le nouveau plateau de Palkia. Là, on est sur le plateau orienté Spatio Rift, capacité duo, ne vous en faites pas, après il y aura un plateau sur Hydrocanon. Alors déjà, vous remarquez un truc, c'est que le plateau, il a la tronche du plateau de Tortank. C'est un plateau basique sur lequel on a rajouté des cases au milieu pour faire la liaison entre les différentes branches. Alors bon, je vous épargne l'histoire du plateau de Tortank qui a reçu un buff un peu de nulle part. Mais pour faire simple, Palkia, un truc qui est vraiment cool avec son plateau, c'est qu'il y a deux cases qui sont totalement gratuites et les autres cases ne coûtent pas grand chose. Deux cases qui sont entièrement gratuites, c'est ici. Vitesse plus 20 dans les stats, et ici, ici, attaque spéciale plus 20. Donc, rien qu'avec ces deux cases, vous passez à 364 en attaque spéciale et 286 en vitesse. Bon, alors certes, la vitesse, ça reste toujours un petit peu en dessous, mais on se rapproche quand même d'une stat convenable. Et le niveau de l'attaque spéciale, je rappelle quand même que c'est plutôt correct, sachant qu'en plus derrière, on a puissance critique 11, possiblement. Au niveau des anciennes cases qu'on conserve pour le nouveau plateau, on a déjà le talent critique en chaîne 2. Donc quand vous faites un coup critique avec Spatio Rift, eh bien vous allez monter de 2 rangs votre taux de critique. Donc vous avez juste à faire un coup critique avec Spatio Rift et vous êtes garanti de faire des coups critiques tout le temps avec cette attaque. Vous faites un deuxième coup critique, vous êtes à plus 3 et ça peut être utile si vous avez même envie de le jouer Hydrocanon. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'avec cette case, Palkia n'avait pas besoin, n'était pas dépendant d'un soutien qui devait booster le critique. Et en autre case qu'on gardait, c'était l'union puissance capacité duo 2. Donc en gros, les cases union puissance capa duo, en gros, c'est des puissances critiques 2 sur la capa duo. Donc quand vous faites une capacité duo avec Palkia, avec le puissance critique 9 et le talent surprise puissance critique 2, eh bien sur la capa duo, vous avez un puissance critique 13.
Donc c'était agréable. On avait toujours aussi la petite case ici pour la cape Joe, parce que ça reste toujours utile à prendre. Et ensuite, au niveau des nouvelles cases, on a ici l'arrivée critique 1, qui ne coûte pas très cher. Les nouvelles cases ne coûtent vraiment pas très cher, donc ça c'est vraiment cool. Vous le voyez ici, ça ne coûte que 760 duosphères, alors qu'on a 4, 5, voire même 6 nouvelles cases. Donc en gros, Palkia, vous arrivez sur le terrain, vous avez un plus 1 au crit, vous faites un petit coup critique, même que ce soit sur Spatiorift ou Hydrocanon, ça dépendra de votre build, et bien vous couplez ça avec critique en chaîne 2, bah, vous vous montez très rapidement tout seul en critique. Ensuite, en nouvelle case, on a tout d'abord un ramming speed, un vitesse augmentation, puissance augmentation sur Spatiorift. Plus votre vitesse est augmentée, plus Spatiorift va avoir des boosts, donc maximum 30% de puissance en plus. Sachant que derrière, on a les puissances critiques et des stats plutôt corrects de base, et bien ça va vraiment faire des bons dégâts. Et ici, on a un nouveau union puissance capacité duo 2. Donc vous comprenez tout de suite un truc, c'est que Palkia, puissance critique 9 de base, puissance critique 2 en talent surprise, donc on a puissance critique 11. Vous rajoutez le premier union puissance capa duo, donc vous montez à puissance critique 13. Et là, vous êtes à puissance critique 15 sur la capacité duo. Vous prenez cette petite case de boost de puissance de base sur la capa duo. Donc certes, vous avez une capacité duo avec seulement 265 de puissance, mais je rappelle que derrière, avec les puissances critiques, vous avez 150% de boost à côté. C'est vraiment très fort, sachant que vous êtes up tout seul en critique. Et vous avez un petit arming speed en plus. Donc là, Palkia a vraiment un boost très intéressant sur Spatiorift. Le boost est moins intéressant sur Hydrocanon. Mais c'était les cases sur Spatiorift qui avaient vraiment besoin d'un up. Parce que Palkia, on le sortait plus vraiment pour le type dragon. Non, un petit peu plus maintenant qu'il avait eu son 6X. Mais là, Palkia, ça va vraiment devenir une valeur sûre en type dragon. Si vous n'avez rien en type dragon, je pense par exemple à... Bon, vu que la majorité des types dragons sont des Pokémon Fest, eh bien Palkia, c'est une très très bonne alternative free-to-play. Et maintenant, on passe au plateau... pour Hydrocanon, qui là, bon voilà, c'est le plateau de base avec la case arrivée critique 1 qui se rajoute. Donc rien qu'en ce moment Hydrocanon, vous allez pouvoir vous setup tout seul en crit. Et le reste des cases, c'est la même chose. On a toujours le ramming speed sur Hydrocanon. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. Mais au moins, vous avez une idée du plateau sur Hydrocanon que vous allez pouvoir faire avec lui. Pareil pour Spatiorift. On va passer rapidement à la conclusion. De toute façon, ça ne durera pas longtemps. En conclusion, sur le hub de Palkia, eh bien je tiens à dire que c'est un hub dont je suis agréablement surpris. Des cases de stats totalement gratuites qui se rajoutent pour pouvoir le buff dans ces stats qui certes ne sont pas élevées de base, même si on a les puissances critiques qui traînent. Surtout en vitesse, ça fait vraiment du bien. Et surtout, Palkia peut se setup véritablement tout seul, sans forcément passer par Spatiorift. Je parle pour le critique, et ça c'est vraiment cool. Spatiorift aussi prend un up, la capacité duo prend un up, et franchement Palkia c'est un très très bon duo sur le type dragon si vous n'avez rien, que ce soit sur Spatiorift ou sur Hydrocanon, c'est vraiment un très très bon up. Concernant la mécanique on rajoute des cases sur les Poké légendaires, j'avoue que j'aurais peut-être préféré cette mécanique sur le plateau de Mewtwo. Pour y revenir un peu, je trouve un peu dommage que Mewtwo n'ait pas eu ce boost de plateau à la place d'avoir une méga évolution. Alors certes, la méga évolution de Mewtwo apporte des énormes stats et une capacité duo qui n'est pas nerfée, donc il tape super fort. Mais derrière, bon, dans le kit, on a une attaque qui change, mais bon, sachant que de base, on tape sur la défense spéciale adverse en la baissant, on va pas préférer jouer frappe psy. Au niveau des talents, ça change rien. Et surtout, le plateau, il n'y a pas non plus grand chose qui change. Je pense que j'aurais préféré qu'il y ait des cases en plus sur le plateau de Mewtwo, même si le plateau de Mewtwo est déjà très bien. Mais voilà, comme vous le savez, à l'époque, quand j'avais fait ma vidéo, je trouve que la méga évolution de Mewtwo, c'est une cartouche un peu gâchée. Mais on va pas y revenir, c'est pas pour autant que Mewtwo est mauvais. Mais personnellement, j'aurais préféré qu'il y ait un hub de plateau plutôt qu'une méga évolution que finalement on ne se sert pratiquement pas, à part pour Sync Nuke avec lui. Donc finalement, on s'en sert très peu. Mais un truc qui est cool tout de même avec le plateau de Palkia, au-delà de Palkia, c'est que tous les autres légendaires free-to-play vont avoir un plateau. Donc je vous laisse imaginer maintenant Xerneas avec ce genre de up et peut-être une caisse qui va booster le critique de tout le monde. On n'est pas prêt. Donc, pour faire simple, en conclusion, le hub de Palkia est vraiment super bon. Surtout, ne ratez pas l'événement parce que ça risque d'être comme Mewtwo. L'événement va partir vers fin du mois de février. Et si ça se trouve, on ne l'aura pas avant plusieurs mois. Donc surtout, faites son événement. Faites ces nouveaux plateaux, il est vraiment super bon. Et un truc qui est cool, c'est que si vous êtes free-to-play et que vous n'aimez pas trop pool sur des persos, vous préférez vous reposer sur des duos free-to-play, et bien Palkia, que ce soit sur le type O
ou sur le type dragon, et bien c'est un très très bon atout. Ça l'était déjà de base, mais alors là, avec ce up, ça va vraiment faire plaisir aux joueurs qui n'ont pas de gros perso de type eau ou de type dragon dans leur équipe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce duo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez le Discord FCGE dans la description, on est super sympa là-bas. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. C'était Geeky, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao !